Editorial y librería Herder presenta a Esther Tellerman, El acto de creación, a cargo de Rosmarie María Cafelan, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Esther Tellerman es poeta y psicoanalista. Recibió el Gran Premio de Poesía de la Academia Francesa por primera aparición, con espesor en 1986. El Premio François Copé de la Academia Francesa por Guerra Extrema en el año 2000 y el Premio Max Jacobs por Bajo su nombre, en el 2016. Entre sus publicaciones están Tres planes inhumanos, Flammarion 1989, Distancia de escape, Flammarion 1993, Pongeia, Flammarion 1996, Suelo mental, traducido al francés, Tintas más rojas, Flammarion 2003, Un olor humano, Farragaud, Leoskir 2004, Tierra exacta, Flammarion 2007, Voz rayada, Polyphile 2009, Estaba llena de esperanza, Fisil 2010, Contra el episodio, Flammarion 2011, El tercero, Edición Zune 2013, Nunca somos suficientes poetas, Edición de la Lettre Volée 2014, Un punto fijo, Fisil 2014, Eternidad a coser, Edición Zune 2016. Primera versión del mundo, edición Zune 2018, para citar solo algunos títulos. Cuerpo reunido, edición Zune 2020. El 25 de abril del año en curso, Franck Ancel y Fundación de la Psicanálisis presentaron en el sitio Imago 2 un evento denominado Noche, presentación, conversación sobre arte y psicoanálisis. Habían cuatro invitados y entre ellos Esther Tellerman. Su presentación no fue solamente interesante, sino que aportó elementos en lo que venimos trabajando. Así que la invité. Quiero agradecer especialmente a Franck Ancel por darme la posibilidad de extraer la intervención de Esther y que presentaremos a continuación. Seguido de una segunda parte en la que estaré problematizando con ella, que será dentro de un mes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Franck Ancel. Donc, qui me vaut votre invitation ce soir, donc, dans ce cycle Imago, est dû donc au travail que j'ai en effet conduit autour des liens entre art et psychanalyse à l'Association lacanienne internationale. Et ceci en m'appuyant principalement sur l'enseignement de Jacques Lacan, tissant non seulement des passages à travers ses écrits et ses séminaires entre art et psychanalyse, mais pour ce que ces liens fondent, à mon sens, son élaboration conceptuelle et clinique. Les journées, donc je parlerai des journées principales que j'ai organisées à l'ALI, ont été autour d'Antonin Artaud, de Michel Duguy, de Bernard Noël et de François Rouen. Et elles ont en effet donné lieu à des publications. La première, donc, un numéro spécial de la revue La Célibataire, en 2014, donc, qui s'appelait La Passion Artaud. La deuxième est de 2017 aux éditions Hermann et a pour titre Michel Duguy, Exercice de contrariété. La troisième, toujours aux éditions Hermann, a pour titre Bernard Noël, l'expérience extérieure. Elle date de 2019. Et enfin, la quatrième a pour titre François Rouen, les ficelles de la tresse, et est parue toujours aux éditions Hermann en 2020. Il s'agissait donc pour moi de réunir un collectif de réflexion autour des œuvres de ces artistes
pour autant que les psychanalystes auraient à en apprendre. Autour de la réflexion, donc je vais résumer hein, ce travail très rapidement, très succinctement bien sûr, c'est un peu une introduction à peut-être ce que nous ferons ensemble plus tard. Il s'agissait pour moi donc de réunir un collectif de réflexion autour de Artaud la première fois. Je n'avais pas omis donc Evelyne Grossman, spécialiste de théorie esthétique et littéraire, professeur de littérature française à Paris Diderot, Paris 7, responsable d'une partie de l'œuvre d'Antonin Artaud chez Gallimard, dont le volume Quarto, reprenant les œuvres antérieurement publiées chez ce même éditeur par Paul Thévenin, puis les derniers cahiers d'Ivry qu'elle a publiés totalement. Ni Marcel Tchermak, psychiatre et psychanalyste à l'ALLI. Mais les ponts ne sont pas si faciles donc à faire aujourd'hui, c'est un signe des temps bien sûr, entre la psychanalyse et la littérature. Et il est vrai que j'aurais voulu certainement poursuivre un travail commun autour d'Antonin Artaud. En effet, la nature langagière de l'inconscient freudien, les mécanismes de ces formations, que sont le lapsus, le rêve, le mot d'esprit, se retrouvent pourtant affirmés, dit Lacan, jusqu'en ces derniers séminaires, les plus topologiques, comme le moment de conclure de 77-78 dans la poésie, où ils sont aussi à l'œuvre. Mais le temps n'est plus, me semble-t-il, à de l'œuvre de Lacan, vous le savez, imprégné du terreau intellectuel, artistique, littéraire des années 60-70, de son bouillonnement, de ses appuis, de ses ouvertures, ceci étant un autre débat. Rappelons simplement que l'œuvre d'art ne fut aucunement pour Lacan, vous le savez, une illustration de ses avancées cliniques, il le répète, aucunement bien sûr, il le répète également, l'occasion de faire de la psychocritique des auteurs, mais un appui, comme je viens de le dire, pour son élaboration conceptuelle. Du séminaire « Les écrits techniques de Freud » de 1953, où Lacan met en lien, en citant Homer, l'épisode où les compagnons d'Ulysse sont changés en pourceaux, l'appel contenu dans leur grognement à la fonction créatrice de la parole. Au séminaire 25 de 77-78, le moment de conclure, réaffirmant le mythe fondateur de la psychanalyse Œdipe, tragédie de Sophocle, et convoquant la poésie qui articule un impossible à dire, le réel. Je cite leçon 3, je cite Lacan, « Dire est autre chose que parler. L'analysant parle, il fait de la poésie. Il fait de la poésie quand il y arrive. C'est peu fréquent. L'analysant, en effet, peut dire plus qu'il ne veut dire, car on ne sait pas ce qu'on dit quand on parle. C'est là, au mieux, quand l'analysant arrive à en dire plus que ce qu'il dit, qu'il est poète. » Rappelons, dans le séminaire précédent, l'insu que c'est de l'une des nouvelles Amour, le 76-77, dont le titre joue de l'équivoque poétique des signifiants pour désigner l'unbewusst, cette exclamation longuement commentée dans le chant lacanien, « Il n'y a que la poésie, vous ai-je dit, qui permette l'interprétation, et c'est en cela que je n'arrive plus, dans ma technique à ce qu'elle tienne, je ne suis pas poète, je ne suis pas poète assez. » Provocation, certes, dans un séminaire principalement consacré à la recherche topologique, mais rappel, remettant en question devant les élèves analystes, de la nécessité de prendre en compte dans la pratique analytique de l'équivocité poétique dans l'écoute et dans l'interprétation, afin que cette dernière soit efficiente.
Pour autant que la découverte fondamentale mise à l'avant par Lacan est la nature langagière de l'inconscient, mise à jour dans ses mécanismes, mais cette fois pour poser le langage comme opérateur du réel. Rappelons très brièvement l'usage que fit Lacan de l'Antigone de Sophocle, de l'œuvre de Sade pour définir l'éthique de la psychanalyse, œuvre encore inégalée, celle de Sade, quant à la violence pornographique qu'elle explore. De l'Holvestein, roman de Marguerite Duras, pour définir l'objet regard comme objet petit a, poursuivi, enfin aussi dans les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, son analyse du tableau d'Holbein, les ambassadeurs, où apparaît en anamorphose une tête de mort, un sujet néantisé, objet petit a comme absence, à quoi le regard du spectateur s'identifie. Du symptôme, à partir de la lecture de Joyce dans le séminaire Le Symptôme, pour ne citer que quelques exemples, quelques points d'articulation du champ lacanien au champ de l'art. Rappelons aussi que les écrits s'ouvrent évidemment sur le séminaire sur la lettre volée et que les nouveaux écrits, car, je cite, nous déchiffrons ici en la fonction de peau, si puissante au sens mathématique du terme, cette division où le sujet se vérifie de ce qu'un objet le traverse sans qu'il se pénètre en rien, laquelle est au principe de ce qui se lève à la fin de ce recueil sous le nom d'objet petit a. Que les autres écrits de Jacques Lacan s'ouvrent sur l'itour à terre, car, je cite toujours Lacan, il est certain que, comme d'ordinaire, la psychanalyse ici reçoit de la littérature, si elle en prend du refoulement dans son ressort, une idée moins psychobiographique. Se sont donc imposés à moi récemment, après la journée autour d'Antonin Artaud, les invitations de trois artistes essentiels, à mon sens, du XXe et XXIe siècle, les écrivains Michel Duguay, Bernard Noël, qui vient de nous quitter, et son ami le peintre François Rouen, et nous apprîmes de l'intervention des collègues que j'avais réunis, découvrant l'œuvre de chacun, nous apprîmes aussi de l'autre scène que chaque œuvre met en jeu. De la poétique continuée par tous les moyens, je cite Michel Duguay, opposant, je cite, une suspension volontaire de croyance, une sortie du religieux, comme possible avenir du sujet contemporain, du poétique, de la langue poétique opposée aux divers pharmacas, prothèses proposées aujourd'hui par les technosciences pour combler notre manque constitutif. De l'expérience déconcertante du langage comme, je cite, « allégresse pensive », apte à appréhender notre éthique comme être au monde. Car l'inconscient d'être langage est contrariété, pour reprendre un terme de Michel Duguay. Division par le langage, à entendre dans nos cures, à travers le murmure des discours courants. L'exercice, l'expérience de la poésie oblige, comme l'oblige la clinique, à une anthropologie négative, la pensée d'un singulier sans détermination positive, exproprié de la mêmeté du moi et de son narcissisme nécessaire. Pour Michel Duguay, lumière lévinassienne, rien sartrien,
Pour Lacan, faille ouverte par l'autre, qu'est le langage ? Faille que ne cesse de recouvrir ce monde qui nous devient inhabitable, pour reprendre une formule de Charles Baudelaire. Mondialisé, surchauffé, pandémié. Dans une mutation sans précédent, la volonté d'un adieu au langage qui est une déterrestration. La Terre en a tassé, disait Michel Legui le 26 septembre 2015. La Terre réfractaire commence à se secouer. Or, l'affaire politique, c'est l'affaire de la Terre, puisque notre mondialisation économique en a assez de Babel qui ralentit la communication directe et les échanges, disait-il. Car la poésie, c'est la différence. Différence des langues, différence des signifiants dans une langue, différence d'un signifiant à un autre. Ainsi, nous en disons, vous le savez, plus ou moins de ce que nous voulons dire. Le sens n'est pas univoque, mais c'est l'équivocité des sémantèmes de quoi est constitué l'inconscient. D'où cette exclamation de Lacan, je cite, « Quoi qu'il en soit, pour ce qu'il en est de cette pratique qui s'appelle l'analyse, c'est de la poésie. Freud, c'est de la poésie. Marx, c'est de la poésie. » Autre séminaire, autre citation dans le séminaire 24, le fait d'avoir énoncé le mot d'inconscient, ce n'est rien de plus que de la poésie, avec laquelle on fait de l'histoire. Mais comme je le dis quelquefois, l'histoire, c'est l'hystérie. À méditer quand ce qui s'affirme aujourd'hui comme vérité déferle sur les réseaux sociaux, celle donc toujours d'un sens affirmé, décryptable, un, caché, enfoui, à mettre au grand jour. Affirmation d'une identité, des identités, des traumas, d'un trauma, théorie du complot, ne serait-elle que la dénégation de ce que le langage constitue le réel ? Un impossible à dire dans son équivocité et sa division. La Excusez-moi, Esther, il y a juste un petit problème de micro. Voilà, parfait, désolé. Donc, la psychanalyse, comme la littérature, fictionne la vérité, car la vérité passe toujours par un dire, une prise de parole du sujet, ni dire, puisque surgit ce qui est insu du sujet à travers les formations de l'inconscient, que sont les formations langagières, rêves, lapsus, symptômes. Voilà où Michel Legui veut faire usage de reliques, de ce qui reste, de ce qui échappe au sens, à la techné pour se faire poème. Il faut pour cela rester dans le langage, comme reprenant une citation de Jean-Luc Godard, le philosophe Michel Legui voit dans notre contemporain une sortie du langage, sortie de la jouissance de la langue, pour proposer celle de prothèse, d'artefact, au lieu de l'être comme de la métaphore. Rester dans Babel, sur la terre, rester dans la poétique, c'est-à-dire, je cite, l'inquiétude de la poésie sur son être. Je finis la citation. Permettant l'être ensemble dans la désunion. C'est ce que signifie habiter le logos dans un mouvement palinodique qui nous déporte de la mêmeté identitaire, de l'illusion d'une communication accordée dont toute différence désigne un bouc émissaire. Que le
« nous n'avons rien en commun » devienne un « nous avons en commun le rien ». Et c'est ce rien que l'immense écrivain Bernard Noël n'a cessé de décliner dans sa langue lumineuse en autant de poèmes, essais, romans, nouvelles, dans une vie d'écriture venant de s'achever. Ce rien, il l'a fait entendre dans nos entretiens, de sa voix douce, précise, sur le bord d'un silence où il nous fit saisir les limites de notre propre commentaire. C'était rue de Lille, le 4 mars 2017. La présence de Bernard Noël restitua devant les psychanalystes, ce jour-là, le risque en quoi consiste l'écriture, de se confronter à l'expérience extérieure, qui est celle de l'inconscient, où pourrait venir à surgir, voire à s'écrire, un impossible à dire, le réel de la vie, d'être noué à celui du corps, du sexe et de la mort, RSI. Car s'affronter à la langue, à sa mémoire, à ce que Lacan nomme la langue, fut ici sensible. Et à l'oubli de soi, l'oubli du moi qu'exige l'accueil de l'écriture. Loin de toute psychocritique que permet la biographie, ce que nous a fait entendre Bernard Noël, dans l'entretien que nous avons mené avec lui, est l'interrogation sur la jouissance de la création, son lien à la sexualité, c'est-à-dire à la sublimation. Pas seulement dans le roman qui le fit connaître, par un procès pour outrage aux bonnes mœurs, publié en 1969, sous un pseudonyme, Le Château de Seine, disponible désormais dans la collection L'Imaginaire Gallimard, mais pour l'ensemble de l'œuvre poétique, dont une partie est publiée aux éditions Poésie Gallimard. Je cite rapidement quelques titres, puisqu'il y a au moins une centaine de titres. Extrait du corps, suivi de la peau et les mots, bruit de langue et les états du corps, l'ombre du double, la chute des temps. Édité chez aussi de nombreux éditeurs, les livres de Bernard Noël sur la peinture classique et contemporaine, ses préfaces au catalogue des expositions, par exemple, d'Olivier Debré, Jean Voss, Zhao Vouki, Bernard Monino, François Roy. Car la peinture accompagne l'écrivain, celle de François Rouen particulièrement, celle de Roman Opalka, par exemple, qu'il analyse l'objet-regard dans ses essais, dont je cite quelques titres, 11 romans d'œil de 1988, journal du regard, la même année, les yeux dans la couleur de 2004, où qu'il mêle, en sa posture, geste du peintre et geste de l'écrivain, par exemple dans le roman d'un être de 2012, où il fait parler Opalka en un long monologue à partir de notes prises dans l'atelier, transformant le regard du peintre et le regard de Bernard Noël lui-même en écriture. Je ne cite donc que quelques titres d'une œuvre immense, saluée récemment par la presse, rassemblée par Paul Olchanski-Laurence de 2010 à 2015 en 4 volumes, principalement les œuvres à ce moment-là de prose, donc Les Plumes d'Eros, La Place de l'Autre, L'Outrage aux Mots, La Comédie Intime.
Une vie d'écriture, donc, nous l'entendons, qui interrogea Charles Mellemans dans des journées antérieures sur l'écriture, journées antérieures à la journée Bernard Noël, et qui posa certaines questions à Bernard Noël, d'où et ces quelques questions que je résume ainsi. Quel sacrifice exige une telle vie? Quel sacerdoce? Qui écrit? Mais Bernard Noël n'a-t-il pas cherché, en son tissage infini, à travers tous les genres littéraires, de reproduire la trace de cet objet du désir qui anime et déserte la langue et dont nous ne connaissons que la manifestation corporelle dans le symptôme ou la jouissance sexuelle, la trace de la chose. Trace rejointe dans l'acte érotique, dans le regard incarcéré par l'Holbeinstein en Tatiana, surgit dans le beau d'un style, la sublimation, dernier rempart contre la mort, le beau, dit Jacques Lacan. Je cite Bernard Noël, dans la langue d'Anna, j'aurais voulu qu'on voit tout, les battements, les flux, les élans, les angoisses, et même les sucs, les humeurs, et comment ces sécrétions affectent les organes ou les excite. J'ai encore ce désir absurde, montrer l'invisible, le démasquer, l'exténuer. La langue d'Anna, page 62-63, 1998. Voilà le sens d'une vie d'écriture ou son non-sens, son désir d'écriture, d'atteindre à un objet toujours dérobé, sublimation, disait Lacan, après Freud, à ceci près, que la jouissance qu'elle atteint ne réside pas dans la reconnaissance sociale, comme le pensait Freud, mais l'acte même de la création. J'ai toujours rêvé, nous dit ce jour-là Bernard Noël, dans l'entretien, de ce que dit Rimbaud, d'une langue qui serait de l'âme pour l'âme, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas la représentation, mais qui serait le verbe, en direct. Ne pas en passer par la représentation, l'imaginaire, mais que le symbolique soit le réel, le corps, c'est les mots. Le moi, pour écrire, doit s'absenter, rejoindre cet autre en moi qu'est la langue qui me parle. Les poètes ne savent pas ce qu'ils disent, dit Lacan dans le séminaire 2, le moi dans la théorie de Freud et dans la technique analytique. C'est bien connu, ils disent quand même les choses avant les autres. Je est un autre. Voilà la fulgurance du poète, de résumer en une formule le socle de la découverte freudienne, le décentrement du sujet d'être divisé par le langage, l'inconscient, truisme, me direz-vous, mais truisme que notre contemporain dénie, pourtant toujours à confondre le destin au trauma. Dépersonnalisation, confrontation au rien, interrogation de la peinture, comme je cite, lieu où l'on peut regarder le regard. Parce que il est là et il ne bouge pas, dit Bernard Noël. Interrogation de la représentation, de sa possible abolition en peinture comme en littérature. Il me fallut alors rencontrer l'ami de Bernard Noël, le peintre François Rouen. Cette journée se déroula en 2019, dans cette même rue de Lille où le peintre allait rendre visite à Jacques Lacan. Interroger son regard, le regard de François Rouen, incarcéré dans, je cite sa formule, un tableau qui tienne,
dans sa fabrication par la découpe en bandes de deux tableaux entrelacés formant un troisième qui tresse, dissémine la figure représentée, déplace la visibilité ordinaire dans le mélange optique de couleurs, les superpositions, les entrelacs d'images fixes et en mouvement, de la mémoire collective et de la mémoire subjective, en ce qu'il est convenu d'appeler peinture ou photographie. François Rougrand nous a ce jour-là, comme nous nous noyons aujourd'hui dans le voir, appris par cette interrogation. Qu'est-ce qui fait tableau ? Répondrez-vous, le regard même comme objet petit A, mais en tant qu'il manque, en tant que le tableau semble l'incarcérer, en présentifier l'épiphanie. Je laisserai donc à mes collègues qui vont intervenir sur François Rougrand le soin de répondre. Merci de votre attention.